بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous dans la série de cours la aqida, la croyance du musulman. Et nous sommes dans le livre intitulé La ilaha illallah ma'naha shurutuha fadluha wa nawaqiduha du Cheikh Mohamed Saïd Raslan. Et nous sommes au chapitre 2 des annulatifs de l'islam. Et nous sommes au 8e annulatif aujourd'hui. Avant cela, dans le 7e annulatif, nous avons parlé de la sorcellerie. Et le Cheikh a dit que la sorcellerie est une réalité. Et le fait de nier cette évidence-là, qui est de croire à la sorcellerie, revenait à ne pas croire au message du prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, nous avons vu que la pratique ainsi que l'enseignement de la sorcellerie sont des choses qui sont interdites en islam. Et pour finir, nous avons fait ressortir que les talismans, les pendentifs contre le mauvais œil, et autres, les formes de ruqya qui comportent les incantations ou des paroles qui ne sont pas connues, des incantations qui proviennent des djinns ou des shayatins et autres, sont relèvent du shirk, de l'association Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le 8e annulatif qui consiste à soutenir les mécréants, à soutenir les mushrikoun, à les aider contre les musulmans. En effet, comme vous le savez, l'islam a été révélé dans une société qui à la base était une société païenne. C'est-à-dire, eux, leur adoration, c'était les idoles. Et ils n'avaient pas un seul idole, ils avaient plusieurs idoles, plusieurs dieux selon eux, qu'ils vénéraient, qu'ils adoraient. Et lorsque le prophète Mohammed a été chargé de transmettre le message de l'islam, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, que le fait d'adorer une divinité seule, un seul Dieu unique sans associé, lorsqu'il est arrivé à ce message-là, il a rencontré beaucoup de difficultés au sein de cette société-là, qui était une société païenne. Et après toutes ces difficultés, après avoir surmonté ces difficultés, il a eu quelques personnes à sa solde qui ont accepté son message, qui ont accepté de le soutenir, de l'aider dans sa mission. Et par conséquent, cette société-là, qui était unie sur le kufr, qui était unie sur le polythéisme, l'idolâtrie, s'est divisée en deux groupes. Le groupe des musulmans qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, le groupe des monothéistes qui adorent une seule divinité, qui est le seul vrai Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le groupe de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les autres prophètes ont prôné, ont appelé vers ce Dieu-là, et le groupe des polythéistes qui adorent les idoles, qui adoraient près de 360 idoles au sein dans la Mecque. Cette société a été départagée en deux, le groupe des croyants et le groupe des païens ou des polythéistes. Et par conséquent, puisqu'il y a deux groupes, les gens se sont alliés et les gens se sont désavoués selon leurs convictions. Et deux se sont alliés aux polythéistes et deux se sont désavoués du polythéisme. Donc par conséquent, c'est ce qui explique ce 8e annulatif là, qui est le fait de soutenir les mécréants, les polythéistes et de les aider contre les musulmans.
Et en ce moment-là, toi qui te disais musulman, toi qui prenais à voir la foi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui disais que ah, tu crois au message de ce monsieur-là, de cet homme-là, de ce grand homme-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu approuves ce que font les mécréants, quand tu les aimes pour leur mécréance, quand tu t'allies à eux, alors que tu sais que ce sont les mécréants, alors cela te faisait sortir de la foi. Et c'est ce dont il sera question aujourd'hui dans notre lecture. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder la bonne compréhension et de nous faciliter la mise en pratique. Le cheikh dit وكذلك من أحب الكفر فإنه يكفر وهذا هو التولي ومن يتولاه منكم فإنه منهم. Le cheikh dit celui qui aime la mécréance, celui-là il a sept mécru, il a sept quitté la foi. Il dit cela même fait partie de l'alliance. Et quand tu entends s'allier là, il y a l'amour là-dedans. Quand tu aimes les mécréants, ou quand tu aimes la mécréance, alors par conséquent, toi aussi tu es mécréant. Il dit, il va envoyer maintenant la parole de la sondra qui dit Oman yatawallahu minkum fa'innahu minhum. Yatawallahu bimunasarati wa mu'awanati ou yatawallahu bin mahabba. Il dit Allah SWT, il dit celui qui s'allie à eux fait partie d'eux. Celui qui s'allie aux mécréants, aux polythéistes, plutôt, fait partie de ceux-là. Il dit le fait de s'allier là, tu t'allies à eux par ton soutien, tu t'allies à eux par ton aide, et tu t'allies à eux aussi par ton amour. Et celui qui s'allie aux polythéistes, et, ou aux mouchrikoun, ou aux païens, il dit celui-là, ce dernier a mécru. Il dit car ce dernier il a aimé la mécréance et il a aimé les mécréants, il a aimé les polythéistes, et il me croit par cela. Et celui qui a aimé les polythéistes, qui a aimé les païens, qui a aimé les mécréants, il dit cela implique quoi? Il n'a pas rejeté la mécréance. Il n'a pas détesté la mécréance. Il ne s'est pas désavoué de la mécréance. Et celui qui ne désapprouve pas la mécréance, celui qui ne désapprouve pas, le shirk, celui-là, il est kafir. Il est mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allah subhanahu. ومن يتولاه منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et Allah SWT dit celui ومن يتولاه منكم, celui qui les prend comme allié parmi vous, فإنه منهم, en fait partie d'eux, il en fait partie de ces personnes là, c'est-à-dire des polythéistes ou des mécréants. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et qu'ils sachent qu'Allah سبحانه وتعالى ne guide pas un peuple injuste. Surat Maïda verset 51. Wa qala subhana, Allah dit encore Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah SWT dit oh vous qui avez cru, si vous obéissez à une partie de obéissez à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ils vous feront retourner dans la mécréance après avoir eu la foi. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah. Et à ce moment-là, il dit comment est-ce que vous allez me croire alors que vous êtes récité, alors que les versets de la sont récités sur vous. Wa fiikum rasuluhu, et son messager est parmi vous. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Et très certainement celui qui se cramponne à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se cramponne au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui désapprouve la mécréance ainsi que les mécréants, celui-là, il est très certainement guidé vers la voie droite. Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ces personnes-là qui sont guidées, ces personnes qui désapprouvent la mécréance ainsi que les mécréants.
Et il poursuit toujours avec le verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'était le verset de la sourate Al-Imran, verset 100 à 101. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yarudukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Il dit, oh vous qui avez cru, si vous obéissez, si vous in tuti'u allazina kafaru, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fera retourner sur vos pas. Fatanqalibu khasirin, il vous fera retourner dans la mécréance et vous serez du nombre des perdants. Balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Il dit plutôt Allah subhanahu wa ta'ala est votre maître et votre seigneur, wa huwa khayrun nasirin, et celui-là qui est le meilleur des secoureurs. Et il continue toujours avec le verset qui montre la gravité de s'allier aux mécréants et de s'allier aux polythéistes et de les soutenir contre les musulmans. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qala subhana ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffar min ashabil qubur. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce passage, il dit oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des peuples dont Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux, ne prenez pas des peuples dont qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que lorsque on lit la sourate Fatiha, on dit Ghayr al-Maghdoub alayhim wa al-Dallin. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin et dis-nous surat al-Mustaqim, surat al-Lazina an'amta alayhim, Ghayr al-Maghdoub alayhim wa al-Dallin. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux, surat al-Lazina an'amta alayhim, ceux dont tu as accordé ta miséricorde, ta guidance. Et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère parmi les Yahoud ou les Nassar, parmi les Juifs, parmi les Nassar, ceux qui ont encouru ta colère parmi les Juifs et ceux qui sont égarés parmi les Nassar. Et dans cette sourate-là, nous les récitons, nous les répétons presque tout le temps dans notre prière. Mais ce qu'elle implique réellement, beaucoup d'entre nous ignorent cela. Et voilà ce qu'elle implique. Elle implique que le musulman, le croyant, il doit rester ferme dans sa croyance. Il doit se désavouer de tout ce qui est rejeté par sa croyance, comme le fait d'adorer plusieurs dieux, le fait d'attribuer un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de les aimer pour les mécréances, pas pour les personnes, le fait de les aimer pour les mécréances. Et là encore, il faut qu'on éclaircisse un certain nombre de points. Quand on dit se désavouer des mécréants, des polythéistes, de ceux qui ne partagent pas ta foi, ta conviction, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. Voilà, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. La preuve est que le prophète sallam était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il était toujours en proximité avec quoi? Ces hommes qui étaient dans la mécréance. Il les appelait toujours à la foi. Jusqu'à ce que son grand-père rende l'âme, le prophète sallam ne faisait que le visiter. Et il sentait de la clémence, de la compassion, de la miséricorde pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit quoi? Il dit, parlant des parents, il dit, وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Les savants, quand ils expliquent ce passage, ils nous disent, même si tes parents sont mécréants, même si tes parents ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont juifs, même s'ils sont athées, même s'ils sont polythéistes, tu leur dois bienveillance, tu dois être bienveillant avec tes parents. Excepté que lorsqu'ils vont t'ordonner à faire quelque chose que ta religion t'interdit de faire, alors tu ne dois pas faire ces choses-là. Mais comment tu dois agir? Tu dois refuser avec la bonne manière. Tu ne dois pas dire tenir des propos pour les frustrer ou autre, mais tu peux user d'astuces, de moyens pour ne pas faire ce qui te demande comme interdit en islam. Mais malgré la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait quoi? D'être bienveillant avec eux. Donc, tu peux être musulman, tu peux avoir des parents qui ne sont pas musulmans, mais ça ne va pas t'empêcher de les visiter, de les aider et autres.
Mais quand il s'agit de la foi, alors faut te démarquer d'eux. Il faudrait qu'ils sachent que eux sachent que tu es musulman et il faudrait que eux aussi sachent que quoi, tu ne partages pas la même croyance qu'eux. Quand c'est comme ça, tu verras que la relation sera très bonne et ils sauront ce qui va avec toi et ce qui ne va pas avec toi. Et ils vont, si vraiment ils veulent que vous cohabitez ensemble, ils vont respecter tes principes et ils vont t'obéir dans cela. Et il y a une parole, mais il y a une parole qui est répondue, c'est-à-dire parmi la communauté, parmi les gens, c'est que quoi, que tu sois chrétien, musulman, juif ou autre, nous adorons le même Dieu. Ça, c'est du pur mensonge. Eux-mêmes, parmi les musulmans, nous-mêmes, parmi les musulmans, savons que nous n'adorons pas le même Dieu que les juifs. On n'adore pas le même Dieu que les chrétiens. Et aussi, dans leur temple, là-bas aussi, quand ils prêchent, ils disent que nous, les musulmans, on est égarés. Nous aussi, dans le morceau, quand on prêche, on dit qu'eux aussi sont égarés. Donc, arrêtons de faire un peu d'hypocrisie et un peu de semblant. Parce que, d'après les enseignements qu'on entend dans les églises, sur les réseaux, on attend que quoi? Pour avoir le salut éternel, il faut qu'on croit en Jésus comme quoi? Comme Dieu. Comme celui-là même qui a été envoyé pour être crucifié sur la croix. Donc, si tu ne crois pas à sa crucifixion, tu ne seras pas sauvé. Dans le sens de ce qu'ils disent. Bref, tout cela, ça contredit notre foi musulmane. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, sans l'associé, il n'a pas d'enfant, il n'a pas eu d'enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas toi, il n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit. Et celui qui croit en ça, chez nous les musulmans, il est mécréant sur cette base-là. Et mais pourquoi on dit que c'est le même Dieu que nous adorons? Ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. Parce que la croyance, nos fondements dogmatiques diffèrent carrément. Et il faudrait qu'on éclaircisse cela. Mais cela ne peut pas nous empêcher, lorsqu'on se voit, de se dire bonjour, de se saluer. Cela ne peut pas nous empêcher de commercer ensemble. Nous pensons ensemble et commercer avec les juifs, et commercer avec les chrétiens à la Mecque là-bas. Et même lorsqu'il mourait, il avait son ami qui était en garant chez un juif à qui il avait donné comme garant pour prendre de la nourriture, tout ça. Donc ça veut dire qu'il avait de bonnes relations entre les musulmans et les chrétiens. Malgré les divergences, malgré les différents dogmatiques, mais ils cohabitaient ensemble dans la paix. Et tu vois, il ne faudrait pas que tu viennes dans un lieu de culte des musulmans et tu commences à blasphémer tout ça. Il ne faudrait pas que tu partes dans un lieu de culte des chrétiens pour aller parler mal d'eux dans leur temple là-bas, à condition que le respect soit au rendez-vous. Voilà. Donc, pour résumer cette partie-là, le musulman ne doit pas soutenir les mécréants, les polythéistes contre les musulmans. Le musulman ne doit pas aider les polythéistes ou encore les païens contre ses frères musulmans. Le musulman ne doit pas aimer la mécréance, il ne doit pas aimer le shirk. Au contraire, il doit se désavouer de cela. C'est en faisant cela qu'il pourra se prétendre être un musulman. Il sera se prétendre être quelqu'un qui a accepté Allah subhanahu wa ta'ala, qui a accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout cela, on peut faire tout cela en vivant en harmonie avec d'autres personnes qui ne partagent pas nos fois. On demande subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Et le but de ce cours-là sur la nature de l'esclave, c'est que beaucoup d'entre nos frères musulmans aujourd'hui, ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas cela et il faudrait qu'on les apprenne que l'islam, de la manière que tu adhères à l'islam, de la manière que tu dis deux paroles, tu prononces deux attestations pour adhérer à l'islam, il y a des choses quand tu fais, te font sortir de l'islam. Et il faudrait qu'on sache cela pour se préserver, pour s'en prémunir, pour ne pas sortir de la foi sans le savoir. On doit s'entendre nous apporter la science utile de nous guider sur ce droit chemin, de faire de nous les musulmans pieux et sincères. Aza subhanak Allahu wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaykum wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.